Alors là, j'arrive. J'active juste Twitch sur le PC pour voir le retour. Oh, des notifs. Encore ces petites notifs vidéo. Pop, pop, pop. On va être bon. On va être bon, on va être bon. Alors, on avait sauvé Jack la dernière fois. Si je m'en souviens bien. Allez, on va commencer par un truc très chiant. Lancement d'une sonde. Sonde larguée. Ah, attendez. Peut-être que j'envoie des messages à Lena pour voir si elle se pointe ou pas. Souli. Ça fait longtemps que je le vois plus, soutien. Quelle boîte qui ma fille me connaît en live. Oh, de l'élément zéro, nickel. Lancement d'une sonde. Alors. Sonde déployée. Mais oui, Lena. Je parle de Lena, mais je viens de la zapper à l'instant. En plus, celle-là. Alors, yep. Voilà. Ça va quand même beaucoup plus vite depuis l'amélioration du scanner où ça bouge plus vite. Ah, tu sais, bah. Alors attendez. Bah peut-être. Voilà. C'est mieux. Bon. Sonde larguée. Sonde déployée. De larguer. Lancement d'une sonde.
Lancement d'une sonde. Sonde déployée. Toujours une petite hausse de start site au fait, hein, au passage. Épuisé. Allez. On scanne tous les planètes pour être sûr d'avoir toutes les ressources. Et quel con, pourquoi j'appuie sur ça, moi? Sonde déployée. Sonde larguée. Sonde déployée. Oh, attends, faut que je le dise. Parce que du coup... Alors en fait, je suis en train de parler à Lena, mais via Facebook, parce que pour l'instant, elle est pas là. Je vais la faire squatter. Hein. Ouais, que dalle sur cette planète. Hein. Sonde déployée. Sonde larguée. Bon, ouais, entre nous. Y'a rien, quoi. Lancement d'une sonde. Lancement d'une sonde. Sonde larguée. Lancement d'une sonde. Lancement d'une sonde. Lancement d'une sonde. C'est le cap absolu sur le live. Alors là, c'est le vilain décideur. Sonde larguée. Sonde déployée. Oh, le pic de malade. Lancement d'une sonde. Lancement d'une sonde. Pff,
Oh, c'est bon, épuisé. Hop, Osef. Ah, attendez. Un message de magique. Bien sûr que oui, j'ai fini Mass Effect 1, magique. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Magique, je t'ai invité au groupe d'amis. Ou pas, parce que je t'ai pas connecté. Non. Ah. Oui, donc on était à explorer ceci. Alors. Où es-tu ? Modéré, modéré, c'est moyen quoi. Allez, c'est nickel. Sonde larguée. Bah. Alors. Lancement d'une sonde. Sonde larguée. Lancement d'une sonde. Sonde larguée. Sonde larguée. Bon, y a rien de spécial. Bon alors par contre, pour bien visiter un peu toute la map, on va dire. On va quand même explorer à fond tout ça, comme ça c'est fait. Surtout pour voir s'il y a des missions secondaires. Vous êtes bête, oh, vous êtes sérieux. C'est parti pour... Sonde larguée. Et pour examiner tout ça... Je fais le plein parce que comme ça, pour toutes ces améliorations, je ferai tac, amélioration, oh mais, amélioration, oh mais... Amélioration, c'est bon, j'ai assez. Comme ça, on est vraiment tranquille pour ça. Lancement d'une sonde. Lancement d'une sonde. La 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 sonde larguée. Sonde larguée. Mais je n'ai qu'à l'époque. Le moindre petit onde. Genre un petit onde comme ça, je fais ah vas-y on prend. Ah attends. Magique perle. Magique qui risque d'arriver dans 10 minutes environ. Lancement pour animer un peu le live. C'est vrai, parce que sinon, voir sonder une planète, c'est la passion quoi, absolue.
Lancement d'une sonde. Grisou, passion sonde et les planètes. Bon alors, on fout une petite sonde dans la planète, on récupère de l'iridium, de la platine, du palladium, de l'élément zéro. Sonde larguée. Sonde larguée. On arrive à un punk sur sonde le live déployée. On dit que mon Kikébot m'a abandonné. Sonde déployée. Là. Sonde larguée. J'ai détecté une anomalie. Ah! Il y a une mission. On y va. Quelque chose est apparu sur nos capteurs. Vas-y, on y go. Alors, dans l'équipe, on va prendre Mordine et Jack. Pourquoi Jack? Parce que c'est Jack. Parce que Jack, elle te fout des coups de poing biotiques. Ah, en fait. Attends, toi, t'as pas. Eh mais c'est que j'ai des tenues. Donc Mordine et Jack. J'ai pas besoin que quelqu'un me force un soldat et tout, parce que j'ai ce qu'il faut, j'ai ce qu'il faut. Ah mais oui, incinération. Et du coup, ah alors, ces munitions à plasma avantagées désintègrent ou embrasent quasiment tout ce qu'elles touchent. Délétisation 12 secondes, RDFR 20 m, dégâts des 110, ok. Alors, explosif, alors c'est soit ça fait des gros dégâts sur un seul ennemi, ou sur. Ou un peu de dégâts sur plusieurs. Mais alors je vais être franc, quand tu vois la différence de dégâts. Dit au point de 3 mètres, mais après entre 1m20 et 3 mètres, t'as pas grand chose, ils sont pas souvent collés, donc majeur. On prend explosion cryo, histoire de dire que t'as explosion cryo. Ah, ma Jack. On va te monter ça à fond. Pareil, j'ai le même principe que Mordine. Oh, magique, il est là. Viens, invoque ma magique si tu veux. Enfin, à part, c'était pas sur ta console. Attends, est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Attends, casse l'attaque instant. Oh lolo, on se dépêche. Attends, toi t'es équipé de quoi toi? Prends ça. Ah oui, mais. Alors, le problème des deux, c'est que. Ah, quoique non, tu peux utiliser fusil à pompe. Ah bah, tu utilises fusil à pompe toi. Tac. Ah! Merde! Pas ma merde, genre. Ok, bah, c'est pas grave. Oh, moi, t'es là! Évaluation des dégâts en cours. Ça va péter! Pète pas mes caisses, toi! Faites pas mes gars, toi! J'ai encore une cible de près, je vais tous les détruire! Enfin bref, c'est bon!
merde! Ils sont où? Ils sont où? Non, là! Viens ici, toi! Viens ici! Oh, quoi de boire, comptez sinon, vas-y! C'est bon, on a fini? Déjà? Bon, alors, attends, avant... On prend tout ce qu'on trouve et tout, hein. Normal, au calme. Alors, et magique, quand même. Dans le Mass Effect 1, on se faisait un tout petit peu chier. Mais là, les personnages sont tellement charismatiques dans ce jeu-là. Mais du coup le 100% je les fais pas parce que je suis un peu en retard pour finir les 3 Mass Effect avant qu'Andromeda sorte. Enfin avant que j'ai Andromeda. Donc du coup, bah là je prends mon temps par contre pour Mass Effect 2 à bien tout faire mais... on va dire que je vais pas traîner non plus. Bon, on se casse, c'est bon, mission finie. Ah, magique, j'ai quelque chose à te proposer. Parce que, au final, il y a Lena qui est pas motivée à faire son espoir sur The Division 6. Je voulais te demander, est-ce que tu serais chaud, toi, faire le mode sans espoir sur The Division 6 avec moi? En espérant que tu es toujours vivant sur le chat. Bon, du coup, on va sonder celle-là. Qui est déjà sondée. Donc c'est toi qui est pas sondée. Sonde larguée. Lancement d'une sonde. Sonde déployée. Lancement d'une sonde. Je suis à moitié du jeu de Mass Effect Andro. Mais... Bah j'ai acheté un nouveau casque. Et au final m'a pris un compte. Comment ça on t'a pris pour un compte, t'as pu acheter de la merde? Lancement d'une sonde. Comment ça t'es à moitié d'Andromeda, tu l'as déjà? Il est pas déjà sorti. Lancement d'une sonde. Sonde déployée. Donc sans problème pour Institut 6. Ok. Sonde bah, larguée. Pour Institut 6, par exemple, bah tu me proposes une soirée, n'importe sonde quel soir, déployée. Et je suis là. Tu me dis quand tu veux pour quand t'es chaud pour Institut 6. Je suis là samedi soir, très tard par contre. Donc, vu que ta mère dort, bah je pense que samedi soir c'est chaud. Le dimanche, je peux, le lundi, sonde je larguée. Peux. Et l'idéal c'est ça serait en une nuit, c'est une session par personnage quoi. Si on peut. Sonde larguée. Si, Micromania depuis 2 semaines. C'est pas possible, Andromeda il sort que...
que le 23 mars. Sonde déployée. Sonde déployée. Mais Micromania où je suis, je l'ai pas. Des fois, tu le sortes 3 jours avant, mais ou 4 jours. Et deux semaines. Là, si tu me dis une semaine avant déjà, ça veut dire qu'il serait sorti 2 semaines avant le jeu. Ah, bien sûr que oui, je suis deck, mais de toute façon, j'aurais pas pu l'acheter parce que je suis obligé d'attendre la semaine d'après que j'ai ma paye. Bon, c'est pas plutôt dérangeant parce que c'est le temps que je finisse le 2 et 3. D'une sonde. Bah ça me paraît bizarre quand même hein. Lancement d'une sonde. Ah putain merde. Et de toute façon, moi je vais me le. En plus, je vais attendre la sortie à Auchan parce que je vais l'avoir à 50 euros. D'accord, ok. Bah, des fois, fais gaffe quand même de pas trop jouer en ligne dessus. Enfin, en étant connecté. Parce que le mec il détecte si. Des fois, tu peux te faire ban si tu as les jeux en avance si tu joues. Déjà que sur Twitch. De quoi tu couches? Tu parles de quoi là? Il l'a eu à 2,66. Ah 26, tu m'as fait peur. Bah au champ ils vont le sortir à 50 euros, donc je vais attendre à 50 euros là-haut. Sonde larguée. Après, il y aura un season pass comme d'hab. Et après Mass Effect, j'arrête d'acheter des jeux Xbox pour l'instant. Ah ouais, mais attends, je dis ça, il y a Tekken 7 qui sortira aussi. Ah, faut que je te raconte un truc magique. C'est bon, je vais être pris à la technique. J'ai Mass Effect avec qui tu veux coucher. Ah, Lyra. Et Ashley elle est morte. Sonde déployée. Sonde larguée. Lancement d'une sonde. Sonde larguée. Pas ça, j'oublie, je suis un connard. Ashley morte, ouais, ouais. Non, parce que Ashley, c'est. En vrai, c'est une. Quand tu refais le jeu, mais quand tu m'en Mass Effect, c'est une putain de raciste des extraterrestres, hein. Bah attends, moi je vais te dire ce que j'ai fait. Vrai que c'est vivant. Le conseil a été sauvé. Parce que c'est plus classe de sauver le conseil, je trouve. Sonde larguée. Anderson qui est conseiller aussi hein, évidemment.
J'ai quoi d'autre? Du coup, Kaidan est vivant. En fait, c'est plus intéressant de sauver Kaidan parce que dans Mass Effect 3, il a quand même des attaques intéressantes hein, par rapport à Ashley ou. Bon, bah. Ashley, si t'as Ashley, autant prendre Garrus. Hein. Sonde larguée. Et du coup, oui, Ashley. Enfin, Ashley, Lyra. C'était avec Lyra que tu la retrouves dans l'extension du Courtier de l'Ombre. T'as une petite scène avec elle, tu vois. Enfin, une petite scène. Où ils se retrouvent et tout, et c'est cool, quoi. Sonde déployée. Dans Mass Effect 2, parmi les alliés, c'est qui tes personnages préférés que t'adores? Lancement d'une sonde. Sonde déployée. Sonde déployée. Lancement d'une sonde. Terry Garrick. Ah, tu veux dire Garrus? Oui, bon, alors ça, hormis eux deux, parce que tout le monde les adore, Tali et Garrus, et c'est pour ça qu'on peut les avoir dans Mass Effect, dans les trois Mass Effect. Hein. Sonde larguée. Mais je veux dire, pour les nouveaux persos qui apparaissent dans Mass Effect 2, c'est ça que je veux te dire. Putain, tout ce que j'ai à scanner, c'est hallucinant. Ouais, c'est le T9. Lancement d'une sonde. Ouais, comme je disais, tout le monde kiffe Tali, tout le monde kiffe Garrus. T'es obligé. Après, au niveau du Shepard, il y en a beaucoup qui les préfèrent en meuf. Qui voient plus Shepard en meuf qu'en mec. Moi, pour le coup, c'est. Alors là, d'habitude, j'aime bien jouer les meufs et tout. Mais pour le coup, j'aime bien jouer Shepard en mec. Lancement d'une sonde. Grunt. Ah, Grunt, c'est les badass. Largué. C'est vrai que Grunt est grave badass. Mais moi, bon, y a deux personnages que je kiffe, mais à mort. Mordine. On dirait pas, mais c'est un putain de tueur ce mec. Ouais, donc Mordine et Jack. Voilà, Jack est tellement badass. Elle arrive, mais elle cherche pas à te foutre un coup de poing biotique. Alors que Miranda et Jacob, je les aime pas du tout par contre. Non, plus qu'on se rend compte que quand tu rejoues à Mass Effect 3, en fait, les seules équipes pieds que t'as, c'est quasiment l'équipe initiale que tu peux avoir. Avec un nouveau humain en plus, donc je sais plus comment il s'appelle. En plus, un mec qui fait partie du N7. Et un protéin qu'on peut avoir dans Mass Effect 3, c'est pas mal ça. Bah dans Mass Effect 3, tu le tues pour sauver les Krogan, t'es obligé. Et de toute façon, entre nous, Mordine. Sonde déployée. Vu sa gueule, il doit avoir 35 balais. Et l'espérance de vie d'un Galarien, c'est 40. Donc il avait fait sa vie quoi. Mais c'est vrai, il est drôle qu'il âge Mordine. Bon, on scanne celui-là avec les sondes qui me restent, c'est-à-dire 0. Putain. Non, c'est dans le 3.
Et en plus, eh, tu, si tu sauves les Krogan, tu te mets à dos les galériens parce que tu dis ouais, t'as aidé les Krogan et tout, tu vois. T'es les vrais putes quoi. Sonde larguée. Tu sais que depuis tout à l'heure, je passe mon temps à scanner des planètes. Sonde déployée. Le spy, alors pour le coup, bon, ça reste vrai que c'est un spy, mais Mass Effect, de toute façon, je pars toujours du principe. Sonde larguée. Que quand un jeu, ça fait longtemps qu'il est sorti, tu peux te permettre de spoil. Sauf si la personne qui joue ne connaît pas le jeu. Sonde larguée. Mais voilà, pour moi, Mass Effect, ça fait partie des légendes du jeu vidéo. Tout le monde connaît quoi. Sonde déployée. Voilà. Lancement d'une sonde. Sonde larguée. C'est pareil, des fois, à un moment donné, t'as des mecs qui faisaient t'sais, des tops et tout de jeux, par exemple les personnages les plus badass ou je sais pas quoi, ou les meilleures fins. Il y en avait un qui se plaignait, ouais, il y a eu du spoil de God of War 3, alors qu'il est sorti il y a un bon moment et. Je leur disais en commentaire, ça fait longtemps qu'il est sorti, on part du principe que t'es censé savoir quoi. Par contre, il y a un truc que j'ai pas visité ici. Ça doit être cet anneau-là. Voilà, il est là. Mais sois pas désolé, t'inquiète, t'inquiète. Lancement d'une sonde. Lancement d'une sonde. Sonde déployée. Sonde déployée. Voilà, voilà. En fait, tu les as tous les Resident Evil magiques ou pas? Parce que c'est pour savoir, est-ce que par hasard t'as Resident Evil Révélation 2? Lancement d'une sonde. Sonde larguée. Lancement d'une sonde. Ah, merci, merci. Bah, c'est un peu grâce à Resident Evil 7, mais il faut que je m'y remette, vraiment. Là, ce week-end, je tourne les vidéos. Il me faut. En fait, ce qu'il me faudrait, dans l'idéal, faire des épisodes de 30 minutes tous les jours de Zelda. Et d'autres let's play que je dois faire. Que je devrais faire par jour. Lancement d'une sonde. En plus des rediff YouTube. Ah putain, c'est con. Est-ce qu'on aurait pu se faire le mode commando à deux? Ça aurait pu être sympa quoi. Et c'est con qu'ils ont pas ressorti Révélation 1 sur One ou une. Rétrocompatibilité. Égal 4, 5, 6. Putain. Ah, tu sais que j'ai toujours pas refait. Ils m'ont toujours tenu, le succès avoir toutes les tenues, donc il faut que je finisse la cada. Moi ouais, j'ai plus de sonde.
Bon allez, pendant qu'on y est, on finit le dernier truc à scanner. Comme ça, on est tranquille. Oh putain, c'est quoi toutes ces planètes à vie? Par contre, c'est le 5, faut vraiment qu'on s'organise avec Lena pour le succès multijoueur. Et le 5, faudra qu'on se le refasse, faut que j'améliore toutes mes armes. Sonde larguée. Sonde larguée. En fait, faudra que je refasse dans l'ordre. Le 1, parce qu'il manque quelques petits succès à la con. Lena et sa collègue, ouais. Ou Skies, au pire, si on reprend contact avec lui. Hein. Mais je pense qu'il y avait plus la pote à Lena qui voulait le faire. C'est quoi, c'est 20 parties de chaque, ça? Sonde larguée. Sonde larguée. Sonde larguée. Lancement d'une sonde. C'est épuisé de toute façon. Putain, toutes les planètes. Ah, mission. Hop. Sonde déployée. Quelque chose est apparu sur nos capteurs. Vas-y, Onigo. Oh, putain, enfin. Mais faut vraiment que je fasse... Que je m'organise, tu vois. Des soirées let's play. Des soirées... 100% succès. Des soirées Fallout 4 que je dois continuer. The fuck, c'est quoi cette mission? Oh putain. L'épave de l'Estevanico contient probablement des informations sur ces dernières heures. Attention, l'épave est instable et menace de tomber dans le vide à tout moment. Merci Idea. Pareil, alors Idea, c'est un personnage que tout le monde, enfin, quand même l'équipage, tu sais, déteste dans Mass Effect 2, mais tu la kiffes tellement. Tu la kiffes tellement dans le 3. Ok, Ouais, après, reste 6, oui, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, faudrait que je reprenne Fallout 4, parce que j'ai quand même bien commencé, tu vois. Ouais, alors attends, par contre. Vous êtes gentil, je passe où, moi? Ah, d'accord. Ah oh, putain, y'a un truc à chercher ici. Oh, tant pis. Ouais, t'es gentil, mais... Je passe pas où dans l'histoire, moi.
Ah oh. Bah non. Ouais, vous êtes gentil, mais... Je peux rien faire, là. En magique, je sais pas si t'as vu quelque chose qui pourrait être utile que j'ai pas vu. Mais D'accord, bah c'est bon. Moi je kiffais dans le 1 ou 2, celle qui t'envoyait des messages ou ta chambre. Oui, quand tu rentrais des missions, désolé. Pour les foutre. Qui ça? À part Kelly dans le 2. Sinon, y'a personne qui t'envoie des messages. Bon, je sais pas, t'arrêtes de faire le couillon. Merci. Putain, il m'a fait peur, le truc. Ouais, mais c'est pas dans le 1, dans le 2 et 3. Merde, elle veut dire Iridium. Bon, tant pis. Enfin, le 3, attends. Si, si, de toute façon, Kelly, on la voit dans le 3. Ok. Ah, il y a une nouvelle venue. Il y a peut-être une nouvelle venue. Alors attends, du coup j'ai rien oublié en bas. Ah, c'était une petite mission. Mais ça change les missions qu'il y avait dans Mass Effect 1. Où les lieux étaient toujours pareils et tout, c'était chiant. Bon du coup alors, magique. Resident Evil 6, ce serait pour quand pour toi?
attends, je t'ai scanné. Sonde déployée. Lancement d'une sonde. Ah bah tiens, salut Letty, comment ça? Sonde déployée. Ce soir? Non, pas ce soir, pas ce soir. Lancement d'une sonde. Sonde larguée. Ah, je vais bien, je vais bien. Sonde larguée. Je me fais un putain de plein de toutes les ressources, larguée. Mais un plein, mais énorme. Comme ça, je suis tranquille pour toutes les améliorations. Sonde larguée. Sonde déployée. Sonde larguée. Sonde déployée. Bah tu me diras quand tu voudras. Hein. Sonde déployée. Sonde déployée. Ok. Lancement d'une sonde. Lancement d'une sonde. Sonde larguée. Sonde larguée. Sonde larguée. Oh Letty, faut que je te raconte. Je sais pas si j'étais. Je sais pas si t'étais passé hier. Enfin bref. Ah merde, putain, j'ai plus de son. C'est bon, je vais passer à la technique bientôt là au champ. Mais je crois que je te l'ai dit. Ah, j'ai un doute si je l'avais dit ou pas. ...150 000 iridium. Ah bah oui, je fais le plein magique hein. Parce que si t'as meilleur partout. Il est possible que t'as des coéquipiers qui meurent à la fin. Et ce serait bien d'avoir tous mes coéquipiers qui soient là pour Mass Effect 3. Non mais j'ai... Ah bah je te l'avais pas dit, ouais. Bah voilà, j'ai passé la technique. Sonde larguée. Sonde larguée. Sonde larguée.
Saras, c'est bon. Ça, je voulais demander, à part Resident Evil, vous voyez quoi comme jeu d'horreur que je pourrais faire? Lancement d'une sonde. Je pense qu'il faudra peut-être que je commence vraiment sérieusement à Evil Within. Lancement d'une sonde. Sonde larguée. Putain, arrête, il faut vraiment que je fasse Outlast pour le succès. Sonde déployée. Sonde déployée. Sonde larguée. Déjà, faut que je fasse Outlast en mode normal et trouver tous les documents et tout filmer, ce qui est important. Lancement d'une sonde. Sonde larguée. Sonde déployée. Yeah, y'a Coco qui est là. Coco, elle est là. Sonde. Comment ça va, déployée. Coco? Lancement d'une sonde. Je vais toujours bien, Coco. Sonde larguée. Ah, magique, on devait le faire en difficulté max et tout, en psychose. Lancement d'une sonde. Ah, sachant que t'as 2 piles sur toi et en plus, faut faire le succès sans recharger la pile. Donc, on va le faire, ça. C'est vrai, je viens de voir un film nul à chier, mais ça va. T'as vu voir quoi comme film? Kong, allez, il est bof Kong. Ah merde. Ça fera pas mieux sur le 2005 quoi en fait. Allez, on va recruter le Krogan. Indicateur.
Alors, soit on prend ça. Non. Lance-missile. Ouais, vas-y, lance-missile. Dijon Cookie Mamette qui bug 10 minutes pour écrire un message. Ah, prends le fusil à écorcheur, toi, c'est pas un chien. Coco gentil, non, c'est cruel. Le dossier ne précise pas si Okir était là de son plein gré. Risque de présence hostile. Tuer ou être tué, voilà la seule mesure de la réussite. J'ai déjà envie de tuer cette personne. Restez vous aguets. C'est un chef. Jack a envie d'arriver. Elle veut tuer. Voilà, il y a de l'action. Merde, merde, je me vide de mon sang. Je vais... Bordel. Il m'a pas l'air tellement amoché. Inutile de le lui faire remarquer. Je savais que ce n'était pas des Krogan, pas à distance. Vous êtes des mercenaires ou des soldats de l'Alliance. Je vous dirai rien. Ouais, Coco, toi, une fois, tu m'as fait chier pour une sorte de couleur. Hein. J'ai une unité de Medigel qui ne demande qu'à être utilisée. Mais si vous préférez, je peux reprendre ma route. Bordel de... Écoutez, je ne sais rien. Moi, je descends ce qui sort du labo, c'est tout. Le vieux Krogan qui vit là-dedans fait le ménage par le vide. Jedora l'a chargé de lui bâtir une armée. Mais les Krogan qu'il crée sont cinglés. On les utilise pour les exercices à balles réelles. Bordel, mais qu'est-ce que je fous là? Je suis pas payé assez pour crever! Avant-poste 4, Jedora veut qu'on passe à l'action. Demandons coordonnées de la meute Krogan. Vous avez entendu, il veut des coordonnées. Je n'ai pas les infos qu'il demande. Vous avez débarqué avant que je puisse faire mon repérage. C'est le cadet de vos soucis. Si, ça compte pas. Si, ça compte! Patrouille? Me repérer à l'est de la station 2? Roger, station 2 est. Et puis merde, ici avant poste 4, nous sommes envahis, je répète envahis, code 6. Vous avez vu Okir? Il est au courant de tout ça? On n'a pas le droit d'entrer dans le labo, mais tout le monde voit ce qui arrive quand les Krogan sortent. J'en ai abattu des centaines, ils sont cinglés, stupides. Allez voir les gars qui sont là-bas, c'est eux qui tirent les ficelles. Qu'est-ce qu'elle compte faire de tous ces Krogan, Jedora? Nous remplacer, j'imagine. Je voudrais pas en avoir toute une armée sur le dos, ça c'est sûr. Le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à les contrôler. Ils sont cinglés. Enfin, peut-être pas d'un point de vue Krogan. Ah oui, les chansons pour Tari. Le labo de Jedora est bien gardé. On a des gros canons pour dissuader les vaisseaux. Mais contre un commando, là, on n'est pas préparé. Allez, va te trouver un coin ombragé avant de te vider de ton sang. Merde, merde! Marrant. Je trouve aussi, oui. Allons-y, notre chef de guerre est quelque part dans... Tellement cheaté ce mode d'attaque à ralenti là. Putain d'emmerdeur la série bleue. Ok, bah la prochaine magie. Oh.
Ah, je l'avais vu la chanson. Ah, ça c'est con ça. Elle est bien cette arme là quand même. Toi, Coco. Y'a que toi qui lag. Vous êtes différent, neuf. Vous n'avez pas l'odeur de ce monde. Cette fois, l'obscur a senti uniquement l'envie de tuer. Mais vous, quelque chose me pousse à parler. C'est quoi ? Il est né il y a une semaine ? Ils doivent les incuber adultes, prêts à tuer. S'il faut les former, ça change pas vraiment des mercenaires classiques. Prêts à tuer ? Non, je tue parce que ma chair l'ordonne, mais c'est pas pour ça que j'ai été banni de la Mercuve. C'est la survie qui résonne dans ma tête, survivre à l'ennemi qui menace toute mon espèce. Mais j'ai échoué, avant même de quitter la Mercuve. C'est ce qu'a dit la voix dans l'eau, c'est pour ça que j'attends ici. T'es censé appartenir à une armée de mercenaires. Jedora, ça te dit quelque chose ? Je connais ce nom. Il fait monter la colère, mais aussi le rire. C'est pas un nom que nous chanterons en marchant. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je l'ai entendu souvent. Comment t'arrives à parler si tu n'as qu'une semaine ? J'entendais des grincements dans ma tête, et puis c'est devenu la voix. Elle m'a appris ce que je devais savoir. Marcher, parler, frapper, tirer. Et puis la voix a dit que j'étais pas parfait, et j'ai plus rien appris. Maintenant, je suis là. Intéressant. Élevé, puis rejeté. Groupe témoin ? Test non concluant ? Je sais pas, mais je suis pas parfait. La voix de Hokir ? Il t'a parlé quand tu étais dans ta cuve ? J'ai entendu la voix. Pas comme maintenant, pas avec les oreilles, à l'intérieur. Je l'appelais papa. Elle aimait ça. Mais elle a été déçue. Je suis pas ce qu'elle voulait que je sois. Un programme d'amélioration génétique. Il tente d'échapper aux effets du génophage. Échapper ? Il a jamais été question d'échapper. Survivre, résister, ignorer. J'ai détruit le remède de Saren. Hokir cherche une autre stratégie. Qu'est-ce qu'il entend par ignorer le génophage ? Difficile à dire. Sans doute hors de sujet. Visiblement, Hokir n'est pas encore parvenu à ses fins. Qu'est-ce que tu as fait pour décevoir la voix ? Je sais pas. Elle l'a décidé avant que je quitte la Mercuve. J'étais pas parfait. Si le mercenaire a dit vrai, ce Krogan doit être sujet à des accès de folie. Je sais pas, mais je suis pas parfait. Tu peux m'indiquer le laboratoire ? Je veux parler à Hokir. La Mercuve, elle est en haut, après les morceaux cassés, après beaucoup d'êtres de chair. Je vais vous montrer. Bah, il est cool le Krogan. Force brute, ah, spécialité des Krogan. Il baise le Krogan. Les êtres de chair sont lents quand de gros objets leur bougent la vue. Tu peux nous indiquer le chemin ? Nous aider à accéder au labo ? Non. Tu baisses les bras ? Je me battrai s'ils viennent, mais je sais très fort que je dois attendre. Je tue, mais ici seulement. Je suis pas parfait, mais j'ai un but. Je dois attendre jusqu'au jour où je serai appelé libéré. Oh, dur. C'est triste quand même, hein. C'est bien intéressant. Tirez-vous.
Alors. Oh là. Ça par contre c'est pas des croyants de sortie du cul, c'est des berserkers, donc ça veut dire qu'il y a des berserkers qui sont ici. Libérer. Ah, putain les canons. Tu vois pour ça Coco t'aurais. Si c'était pas modo, tu serais banni. C'est le gros connard. Non mais commencez pas tous les deux là. Oh putain le truc. Ah le tir à tête chargée. Je m'occuperai plus vite. La musique est stylée quand même. Rien d'intéressant à récupérer ici là. J'ai plus jamais. Je non, regarderai. Mais va te faire foutre, Coco. Je suis revenu au point de départ là. Je suis revenu au point de départ. Le mec a pas de sens d'orientation. J'avais appuyé sur B comme un con. Comme ça, j'aurais trouvé des trucs bien. Non. C'est naze. Rien ici. Une génie. Non, t'es tout sauf une génie. Ça pourrait servir. Oh putain! Et où tu vas Coco, filme là et envoie moi je rigole. T'inquiète, t'inquiète. Je le mettrai carrément sur Snap si tu veux. Si je casse les couilles à GG pour avoir des cheveux rouges sur son RPG. Ou je pars en steak sur Marine indépendante. Ah mais Coco, je t'ai déjà dit que je peux pas mettre les cheveux rouges. Pas de, rien du tout, pas de dossier sur moi. De toute façon, elle va passer tout son temps à squatter Zelda sur ma Switch, hein, donc je vais te dire. Et pour la peine, tu sais quoi? Juste pour la faire chier, je ramènerai pas la Switch. Bon.
Bon, moi, le symbole que je veux, là, il est où? Ah, il est là. Ah bah, il y en avait deux, ok. Je sais, je sais. Ah bah oui, il est bien ce jeu. Alors apparemment, pour faire la vraie fin, faut trouver tous les souvenirs en fait. Hein. Les boucliers sont à chaise. Pauvre coco. Les progrès tombent comme des mouches, mais les commandos intrus sont toujours en approche. Je répète, toujours en approche. Oula, 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 oula. Ouais, mais elle est trop pauvre aussi pour acheter une vie. Et je crois qu'ils ont, arrêté de construire des Wii U, je crois. De l'argent pour venir me rejoindre, Tari et moi. Quoi. Cible neutralisée. Hey, Coco, faites des questions cons. Y a des nouvelles de patates? Le problème, c'est dans tes îles Caraïbes, ta connexion va pas être terrible. Ah oui, patate. Non, non, c'est patate. Non, je n'ai pas la dernière fois que je vous ai parlé, je vous ai dit ce que j'ai pensé, ce n'est pas cool. Ouais, bon. Ouais, depuis la prise de tête de la dernière fois, quoi. Mais le pire, c'est qu'il a voulu... créer des problèmes avec moi alors que j'en avais aucun. Soit disant, il me supportait pas. Aïe, 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 j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal.
me tire dessus? Qui me tire dessus? Avec toi et t'arrives mais... Oh putain fils, j'ai plus de nouvelles de lui. Tiens. Juste ce qu'il nous fallait. Même pas, même d'Arto j'ai plus de nouvelles, tiens, en fait, j'y repense. Bon, je leur parle, il faudra s'en reparler tout de même. Il y a juste Prélude des fois qu'on a des nouvelles, en fait. Faudra qu'on parle toujours de temps en temps. Même, comment il s'appelle, Merde, j'oublie son nom. Jeanne Klaus. Plus de nouvelles de lui, tiens, aussi. Thierry et moi, on est toujours en contact avec Prélude, mais c'est tout, et enfin de mon côté. Vas-y, je vais essayer de recontacter les autres un jour. Ah, enfin, j'ai gardé un œil sur vous. Pas trop tôt. Depuis que c'est marié, il a trop changé. En mumuse avec ces cons de mercenaires qu'on va arranger les batteries des cuves. Ok, j'imagine. Vous n'avez pas l'air particulièrement prisonnier, ni heureux de me voir. Vous avez beau prétendre vouloir m'aider. La venue du célèbre Shepard, qui a vaincu même la mort, n'annonce pas la détente cordiale. Ça vous surprend? Tous les Krogan doivent vous connaître. À moins que vous ayez oublié ce que vous avez fait sur Vermeer. Ouais, mais le problème, c'était pas une dictature, il y a tout le monde qui faisait n'importe quoi. J'ai la conscience tranquille. C'était la solution la plus efficace. Mais je ne vous jette pas la pierre. Sérieux, il va être papa là. Les gringalets de Saren n'étaient pas de vrais Krogan. La quantité seule ne signifie rien. C'est une erreur d'étranger. Une erreur que ces mercenaires ont faite eux aussi. C'est plus Alpha qui a foutu le bordel. Hein. J'ai donné à leur chef le rebut de mes troupes. Mais elles s'impatientent. Il est temps que vous me fassiez partir d'ici. Vos raisons sont hors de propos. Ce sont les récolteurs qui nous amènent. Je vois, oui. Les attaques de récolteurs ont augmenté. Mais c'est un problème propre aux humains. Moi, mes buts étaient ailleurs. J'ai obtenu le savoir permettant de créer un soldat pur. Grâce à cela... Je vais infliger aux génophages la pire insulte qu'on puisse faire. Ah oui. Nikiku et Xena. L'ignorer. Ça ne vous fait ni chaud ni froid, tous ces échecs dans votre quête du soldat parfait? Quels échecs? Kedora a reçu l'armée qu'elle convoitait. Il ne lui manque que la volonté de se faire obéir. Ils sont forts, pleins de santé et inutiles à mes yeux. Seule la perfection m'intéresse. S'il faut quelques milliers de rebuts pour l'atteindre, soit. Mon œuvre va purifier les Krogan. Ce ne sera pas une guérison. Ce sera une renaissance. Je croyais que l'idéal des Krogan était de retrouver la démographie qui avait mis la galaxie en péril. Le quantitatif n'a pas lieu d'être. Mon soldat est un modèle. Un péril plus grand que tous les frères fantômes qu'il aurait accompagné. La galaxie est toujours traumatisée par la Horde. Mais c'est le fer de lance qu'ils redouteront le plus. Qu'est-ce que les récolteurs vous ont donné? Dites-moi tout ce que vous savez sur eux. Ce sont des créatures étranges. Isolées, mais disponibles pour peu qu'on y mette le prix. Je leur ai donné de nombreux Krogan. J'ai peut-être des informations qui vous intéresseront,
mais leur technologie est passée dans mon prototype. Après avoir compris comment l'utiliser sans tuer les sujets, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Tout ce qu'il me fallait, c'était un résultat concluant. Vous ne cherchez pas un remède au génophage. Contrairement à ce qu'affirment les survivants, le génophage ne produit pas des Krogan forts. Il ne fait que contrôler un trait, la capacité à lui survivre. Même avec un millier de morts nés, trop de gringalés survivent. Le prix qu'on attache à chaque nouveau-né viable a entraîné plus d'enfants rois que tous les tétons humains réunis. Que le génophage continue, qu'il y ait 1000 morts par portée. Nous le vaincrons en escaladant les cadavres. C'est ainsi que font les Krogan. Vos méthodes sont radicales, mais vous savez lutter contre une menace. Vous voulez nous aider ? Je peux peut-être conclure un marché pour partir d'ici. Mais ne comptez pas récupérer mon prototype. Il représente mon futur. Avis à tous, j'ai remonté la piste des Krogan en liberté, Okir, bien sûr. L'heure est venue d'inverser les rôles. Gazez les soldats et reprenez toutes les données d'Okir. Videz les cuves. Elle est aussi lâche. Elle est prête à tuer mon futur d'une simple valve. Shepard, vous voulez des informations sur les récolteurs? Alors arrêtez-la. Elle va tenter d'accéder aux agents pathogènes de l'entrepôt. Désolé, docteur. Vous n'êtes plus en position de force. J'ai bien remarqué. Mais si elle nous empoisonne tous, vous n'en serez pas plus avancé. Vous trouverez sans doute Jedora près des cuves des rebuts. Tu es là. Moi, je reste faire ce qu'il faut. Ok. C'est bon, on est parti. Attends, c'est moi, j'ai vu des améliorations. Hop. Je vais prendre ça. On ne sait jamais. Quoi, t'aimes pas le truc dans l'œil, devant l'œil? Oh, t'es sérieuse? Moi j'aime bien le truc devant l'œil. Ça fait le détecteur la Saiyan et tout. Je veux qu'il crève. Ce monde est à moi. Je vais tous les gazer. On peut lui fermer sa gueule maintenant? On peut lui fermer sa gueule maintenant. J'adore Jack. Oula, oula. Là j'ai des BZ. Oh ça. Merde. Ah mais c'est tout ça. Gaffe, ça va faire boum. Shepard, les alarmes du laboratoire ont coïncidé avec la défaillance des systèmes. Les systèmes restants sont sans protection et je ne dispose que d'un accès limité. D'après les scanners, la pièce est inondée de toxines. Les signes vitaux d'Okir déclinent rapidement. Je recommande d'agir au plus vite. Prototype. Mon futur est fait de pure.
Ok. Orcuper, le soldat parfait. Il en a tué je sais pas combien. Mais il a évacué les cuves dans cette pièce pour sauver celui-ci. Pure affabulation. Il est peu probable qu'un seul Krogan, quelle que soit sa force, ait l'impact que lui imputait Okir. J'en suis quasiment certain. Je suis d'avis de le laisser. Je connais votre parti pris vis-à-vis des Krogan. C'est à moi de juger ce qui est bon pour notre mission. Il faut le sortir pour être fixé. S'il y a un problème, on ne pourra que guérir et non prévenir. Normandie, exfiltration de Okir compromise. Mais on a un colis à emporter. Un colis de belle taille. Tu voyais ça, c'est le deuxième Krogan le plus badass du monde. Parce que, entre nous, Vrex est imbattable. J'ai faim, je vais chercher. Je vais chercher un miam. Ah, vas-y, vas-y, va bouffer. Je comprends l'intérêt de faire analyser ce Krogan, mais je ne suis pas tranquille à l'idée de le réveiller. Oui, ça, vous l'avez déjà dit plusieurs fois. Un Krogan normal est déjà dangereux, mais celui-là a été créé et sans doute éduqué par un fou. Je vois que tout le monde profite du nouveau presse-papier. Des questions ? Nous n'avons aucune information à son sujet, commandant. Idéa, combien de temps faut-il pour vider la soute dans l'espace en cas de besoin ? 28 secondes, Shepard. Et si quelqu'un d'autre est dans la soute à ce moment-là ? Idéa, combien y a-t-il d'autres membres d'équipage à bord du Normandie ? 24 membres permanents, Shepard. À vous de voir, commandant. Mais soyez prudent. C'est noté. La soute ne craint rien, le temps que je me décide. Le petit sourire que j'ai pas de sadique a fait, c'est marrant quoi. Moi je l'active le Krogan, rien à foutre. Eh, vous voulez voir quelque chose de badass? Alors attends, déjà, faut que je retrouve mon chemin. Grant, c'est quand même le mec, le Krogan, qui en impose le plus. Pas le plus puissant. Mais c'est pas sage. Il est énorme. Oh, tu peux te taper des gens. C'est fait. De quoi, j'ai pas compris ce que t'as dit exactement. Le sujet est stable, Shepard. Intégration réussie au système embarqué. Il peut voir quelque chose là-dedans? Il sait où il se trouve? Peu probable. Son activité neurologique actuelle... Coco, tu vas voir une scène... ...cognitif minime. Magnifique. Sauf dysfonctionnement électrique généralisé, les nutriments de sa cuve peuvent le maintenir en vie pendant plus d'une année. T'as une idée du danger qu'il représente? C'est un Krogan, Shepard. Si vous me demandez s'il est activement hostile, je n'ai pas les données nécessaires pour vous répondre. La technologie du chef de guerre Okir pouvait transmettre des données, non des processus mentaux. Le sujet peut connaître son point de vue sans pour autant le partager. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce gaillard ? Rien de particulier ? Ah, le sujet est un oui, exemple exceptionnel. Dans Mass Effect 1, doté d'organes primaires, secondaires et le cas échéant tertiaires parfaitement formés. Aucune oui, donc Mass Effect 1, je me suis fait idéal, je parle. Présent chez tous les Krogan. Je ne suis pas en mesure d'évaluer les fonctions mentales. Donc dans Mass Effect 1, je me suis fait Lyra. Et Mass Effect 2, je pense pas que je me ferai Miranda. C'est une connasse. Attention, je vais ouvrir la cuve pour le laisser sortir. Le protocole de Cerberus est très clair vis-à-vis des technologies non humaines inconnues. Je ne tolère pas de dissension sur mon vaisseau, même de la part de mon vaisseau. Vas-y. Très bien, Shepard. Les commandes sont activées. En appuyant sur l'interrupteur... Vous en assumez les conséquences. Mmh.
votre armure est plus légère que celle d'un Krogan. Il est magnifique. J'ai besoin d'un... Je suis le commandant Shepard et je réagis mal aux menaces. Un conseil, calmez-vous. Pas votre nom, le mien. J'ai reçu de l'instruction, une formation. Mais la cuve, Okir n'a pas pu implanter de lien. Ces mots sonnent creux. Chef de guerre, futur, héritage, Krunt. Tiens, un nom guttural dénué de sens. Ça fera l'affaire. Je m'appelle Krunt. Si vous êtes digne de commander, prouvez-moi votre force. Essayez de me vaincre. Pourquoi vous voulez que j'essaie de vous tuer ? Vouloir ? Je fais ce que je suis conçu pour faire. Me battre et m'imposer. Rien dans la cuve ne m'a jamais demandé ce que je voulais. Je ne ressens rien envers Okir, son clan ou ses ennemis. Il n'a pas su me faire à son image. Sans une raison de ma part, un combat en vaut un autre. Autant commencer avec vous. Je vous ai accueilli et je vous ai libéré. Suivez mes ordres et vous aurez un rôle. Dans les images de la cuve, rien n'indiquait que les humains pouvaient être si énergiques. Vous donnez l'impression de mériter votre commandement. Mes ennemis menacent des galaxies. Chacun ici a gagné sa place à bord. C'est acceptable. Je vais me battre pour vous. Vous avez bien fait de vous montrer. Ah, vous me tendez un bras et vous armez l'autre. Bien dit, Shepard. Si je trouve un clan, si je trouve ce que je veux, je serai honoré de vous affronter à sa tête. Tiens, Shepard est tellement fort. Il se laisse pas faire. Shepard. Je passe juste voir si vous vous acclimatez. Les humains parlent trop, comme la cuve. Revenez plus tard. Il y a quelque chose dans vos images qui peut nous servir à exploiter ces ressources ? Je peux peut-être bricoler quelque chose. Ça vaudra ce que ça vaudra. Et normalement, c'est une arme. Ah, non. Shepard. Il y a quelque chose dans vos images qui peut nous aider. Prototype. Fusil à pompe Krogan. Voilà. Shepard. Il y a quelque chose dans vos images. Rien à rajouter. Je ne suis pas un technicien. Faites avec ce que vous avez. Bon, c'est tout pour l'instant. Shepard. Voilà. Ah, les manchons. Garrus, vous êtes le meilleur, commandant. On vient d'installer les manchons d'accouplement. Maintenant, on n'a plus besoin de calibrer qu'une fois toutes les semaines, et non plus tous les jours. On avait bien envie de fêter ce surcroît de temps libre avec une partie de poker Skylien 5. Ça vous tente ? Arrête un peu, Kenneth. Le commandant n'a pas envie de jouer aux cartes avec des mécanos. Non, en fait, ça me tente bien. Génial, je vais chercher les cartes. Vous savez, ce serait assez malvenu professionnellement de battre votre supérieur au poker. Ok, d'accord. La menace de merde. Bien joué, commandant. Tu t'es vraiment laissé manœuvrer en bout. Quoi, tu veux dire que le coup du galon, c'était pas sérieux ? Oh, la vache. Quand je pense... Allez, on remonte la passerelle. L'homme trouble veut vous parler dans la salle de débriefing, commandant. Sérieux ? Dans la salle de débriefing. Alors attends. D'abord, on va mieux des trucs.
Shepard, on les tient. Horizon, l'une de nos colonies dans les systèmes Terminus, a cessé d'émettre. Si elle n'est pas déjà assiégée, ça ne devrait plus tarder. Mordine a-t-il achevé la mesure anti-drone ? Pas encore. Espérons qu'il est efficace sous la pression. Il y a autre chose que vous devriez savoir. L'une de vos vieilles connaissances, Kaidan Alenko, est en poste sur Horizon. Pour ce que j'en sais, Kaidan est toujours dans l'Alliance. Qu'est-ce qu'il fout dans les systèmes Terminus ? Officiellement, elle est affectée par l'Alliance à un programme diplomatique auprès des colonies. Mais ce n'est qu'une façade. S'ils ont dépêché le capitaine Alenko, l'affaire est sûrement d'importance. Je vous suggère de reprendre contact avec lui. Les récolteurs attaquent une colonie et justement l'un de mes anciens membres d'équipage est sur place. La coïncidence est trop grosse. Les récolteurs s'intéressent à vous, ce n'est pas une surprise. Surtout s'ils sont de mèche avec les moissonneurs. Ils en ont après lui pour vous débusquer, vous. Nous devrions avertir la citadelle. L'Alliance pourrait appuyer l'opération. Pas avant que nous soyons fixés. Pour l'instant, je ne tiens pas à ce que l'Alliance soit impliquée. Dès que vous aurez la situation sous contrôle, je passerai le message en personne. Envoyez les coordonnées. On se rend sur place. C'est l'occasion ou jamais, Shepard. Bonne chance. Joker, tracez un cap pour Horizon. Je dois voir le professeur. Affirmative, commandant. Enfin la mission tout de suite ? Merde ! Dites-moi que vous avez trouvé quelque chose. Oui ? J'ai envie de jouer, mais je sais pas quoi. Ah, Zelda ? Ah non, tu peux pas. Désolé. Ah, oui, je sais, je suis un connard. Lilith, on a un problème. Vous n'avez toujours pas calibré la matrice de visée ? Ces tourelles ne serviront à rien si on ne corrige pas le problème. Désolé, capitaine. La réactivation de nos systèmes de communication prime sur le reste. Oui, c'est ça. Je suis surpris qu'on ne m'ait pas collé ça sur le dos en plus du reste. Les gens d'ici ne tiennent pas l'Alliance en très haute estime. Ils n'ont rien contre vous à titre personnel. Qu'est-ce que c'est ? Que tout le monde se mette à l'abri ! Vite ! Ah bien sûr, je connais ce match. Merci. De contrôle. Nous
sommes l'augure de leur perfection. Préparez ces humains à leur prochaine ascension. J'ai envie de prendre le Krogan. Allez. Le Krogan et Jack. On est sur zone. Mordine, vous êtes sûr que ces modes d'armure nous protégeront des drones ? Impossible de s'avancer. Face à une opposition restreinte, ils devraient brouiller leur détection. En théorie. En théorie. Ce n'est qu'un prototype. À évaluer en situation de combat réel. Il me tarde de voir si vous survivrez. Là, on a un combat contre les récolteurs. Passe le lave sur tel. Ok, ok. De toute façon, après cette mission là, je vais arrêter. Commandant, on a des interférences de plein tube. Impossible de stabiliser le signal. Les récolteurs doivent bloquer les transmissions. On est livré à nous-mêmes. Et moi, non. Ces horreurs ressemblent aux zombies dont les Geth se servaient sur Eden Prime. C'était pas plutôt un coup de Sovereign, ces zombies ? Alors votre homme trouble disait vrai. Les récolteurs doivent bosser pour les moissonneurs. Donc on a un premier lien entre les récolteurs et moissonneurs, les zombies. Je vais prendre ça, on sait jamais. On dirait un humain. Un des colons, peut-être. Non. Sur Eden Prime, les victimes étaient empalées sur des piques géantes pour les zombifier. Je n'en ai vu aucune sur Horizon. Donc, les récolteurs avaient déjà des zombies. Ils veulent les colons vivants pour quelque chose d'autre. Les récolteurs doivent mener des expériences sur les colons. Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Ce que Cerberus m'a fait à côté, c'est que dalle. On finira bien par le savoir, j'imagine. Ces créatures sont différentes de celles que j'ai combattues sur Eden Prime. Elles sont plus évoluées.
On peut les tuer, c'est l'essentiel. Les récolteurs paieront pour ça. Allons-nous-en d'ici. C'est vous qui voyez, chef. Votre peuple disparu. D'habitude, à la charge d'un mètre perdu. Mais comment tu fais pour perdre des manettes, toi? Ah merde, c'est Grunt. Bon. C'est quoi? Un champ de stase? Ils sont paralysés mais conscients. Ils sont dans cet état depuis un bout de temps. Ah, Augur, il va se planter. Je prends le commandement. Ça va, pour l'instant, on gère. C'est qu'ils me connaissent, au fait. Ah merde.
Jack. Ah merde! Je suis con moi. Contact. Sortez de là immédiatement. Vous êtes... humains ? Mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous allez les attirer sur nous ? J'ai ouvert un passage. Estimez-vous heureux de ne pas être dans la soute d'un vaisseau récolteur à l'heure qu'il est ? Ce sont des récolteurs, ces monstres ! Vous voulez dire que... c'est pas une légende ? Je croyais que c'était des histoires. Vous savez, de la propagande ! Pour qu'on quitte pas l'espace de l'Alliance. Non ! Ils ont eu l'élite ! Je les ai vus l'emmener ! Sten aussi ! Ils ont emmené quasiment tout le monde ! Quel est votre nom ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Je m'appelle Delan ! Je suis mécano ! J'étais descendu vérifier la grille principale après le blackout des transmissions. Et c'est là que ça a commencé à crier. J'ai regardé dehors, et il y avait des nuées d'insectes ! Dès que quelqu'un se faisait toucher, il tombait raide ! Je me suis enfermé à double tour. Bon sang, tout ça, c'est la faute de l'Alliance. C'est à cause de cette tourelle et de ce commandant Alenko. Sans quoi, on n'aurait pas été pris pour cible. Parlez-moi de cet officier de l'Alliance. Le commandant Alenko ? Paraîtrait que c'est une sorte de héros, là, je sais pas quoi. Moi, ça me fait ni chaud ni froid. Il aurait mieux fait de rester dans l'espace concilien. Vous avez une idée de ce qu'il faisait sur Horizon ? Il était censé nous aider à activer les tourelles de défense. Moi, j'ai eu l'impression qu'il était là pour autre chose. Pour nous espionner, peut-être. Parlez-moi des tourelles défensives de la colonie. Cadeau de l'Alliance. Laser gardien ultra puissant. Il devait empêcher les vaisseaux ennemis d'atterrir près de la colonie. Il a fallu construire un énorme générateur souterrain dédié. Le problème, c'est qu'on n'a jamais pu activer le système d'alignement. Bref, l'Alliance nous a refilé un canon géant qui arrive pas à tirer droit. Non mais quels abrutis, hein, franchement. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est la faute de l'Alliance ? On n'est qu'une petite colonie. Personne ne devait nous emmerder jusqu'à ce qu'on installe ces saloperies de tourelles. Moi, c'est pour plus avoir l'Alliance sur le dos que j'ai quitté l'espace concilien. Les récolteurs ciblent des colonies isolées. L'Alliance essayait de vous aider. J'ai pas besoin de son aide. Il y a trop de petits caractères dans le contrat. Cet officier, là, il a dit qu'il venait juste superviser l'activation des tourelles. Mais je vous fiche mon billet qu'il y a autre chose là-dessous. Si vous avez des défenses, on peut s'en servir contre le vaisseau récolteur. À condition d'arriver à calibrer le système d'alignement. Ben, ça n'a jamais marché. Ça, on s'en occupe. Donne-nous l'emplacement. Allez jusqu'au transmetteur principal de l'autre côté de la colonie. Vous risquez pas de le manquer. Les commandes de visée sont à la base. Vous connaissez la colonie et ses infrastructures. Venez avec nous. Puis quoi encore ? Vous allez laisser les récolteurs emmener vos amis ? Je suis mécano ! Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Que je les attaque à coups de clé anglaise ? Vous sortez si vous voulez. Mais je verrouille la porte derrière vous. J'ai pas envie d'y rester, moi. Et bonne chance. Il va vous en falloir. Par contre, la grosse arme, le laser, je suis pas fan. On va reprendre le lance-missile. Là, Augur, elle est là, en fait, ouais. Oh là, c'est quoi ça ?
J'avais plus que ça. C'est bon, c'est calme. Oh là. C'est quoi ce bordel? Oh, c'est pas une mission. Ça pourra toujours servir. Biotique dégâts, bah c'est cool ça. Comment ça se fait qu'on ne soit pas tombé sur d'autres gens paralysés? Ils ont dû être chargés dans le vaisseau récolteur à l'heure qu'il est. On dirait qu'ils sont quasiment prêts à partir. Parce que moi du coup je fais mes petits trucs là. Voilà, 3000 crédits par-ci, des crédits par-là. On se fait de la thune. Et on est bon pour y aller. Ah, ok. Ok, quand même, ils font plus zombies dans ce jeu. On dirait. Voilà le transmetteur. Ah, nickel. Normandie, vous me recevez? Ici Joker. Le signal est faible, mais on vous reçoit, commandant. On va leur montrer qu'on frappe aussi bien qu'on encaisse. Idea, active les tourelles de défense. Les erreurs dans le logiciel de calibrage sont faciles à rectifier, mais il va falloir du temps pour que les tourelles atteignent leur puissance maximale. Je recommande une posture défensive. Je ne serai pas en mesure de dissimuler la surconsommation énergétique. Les récolteurs vont vouloir nous arrêter. Parfait. On va les arrêter, aucun problème. Pas tant que cela. Des renforts ennemis s'approchent. Je vous conseille de vous tenir prêts à tirer. Ok, faut être prêt, faut être prêt, faut être prêt. On se cache là-dedans. La chair n'est qu'une machine. Oh putain, Gur, il est là. Ennemi repéré. Je vais tous vous tuer. Votre enveloppe est fragile. Je me mets à couvert. Je planque mon cul. Mes attaques détruiront. Contournement de sécurité, tentative d'activation du système d'urgence. Tenez la tourelle de défense. Thank you.
qu'est-ce que je kiffe cette arme là. C'est moche des missions limitées de snipe. Peut-être pas. Il va en arriver. Elles sont où? C'est toujours comme ça. Allez, venez mon petit récolteur, viens que je te couche mon fusil dans ton cul. Oh là, putain, la charge qu'il a foutu. Moi c'est Augur. Ah ouais, c'est Augur. Eh bah oui, il n'y avait plus de balles. Oh, je commence plus à avoir rien du tout. Ça ne va pas en rester là. Ils vont remettre ça d'ici peu. Eh bah attends, on va récupérer des munitions. Ah oui, c'est une galère cette connerie. Théa, réactive ça. Mais restez là. Touchez le chien. Bon, lui, on va y aller à coup de lance-missile, je le sens bien. Allez, oui. On attaque à rien donner. Oh, c'était la galère. Ce vaisseau. Comment vous voulez qu'on l'attrape? Il y a la moitié de la colonie là-dedans. Ils ont emmené Egan, Sam et Lilith. Faites quelque chose. Moi, j'ai fait de mon mieux. Je me suis pas réfugié dans un bunker en tremblant. Un peu de respect. Sans Shepard, vous seriez tous à bord de ce vaisseau. Shepard? Attendez. Je connais ce nom. Ouais, je me souviens de vous. Un genre de héros de l'Alliance. Commandant Shepard, capitaine du Normandie. Le premier spectre humain, le sauveur de la citadelle. Vous êtes en présence d'une légende, Delanne, et d'un fantôme. Tous ces gens bien qu'on a perdus et on vous laisse au rancard. Normal. Oh, puis merde, j'en ai ras le cul de l'Alliance. Je vous croyais mort, commandant. Et je n'étais pas le seul. Ça faisait un bail, Kaidan. Comment ça va depuis le temps? C'est tout ce que vous avez à dire? Vous débarquez de nulle part et vous faites comme si de rien n'était? Je vous aurais suivi à l'autre bout de la galaxie. Vous n'avez pas idée à quel point j'ai souffert en apprenant votre pseudo-mort. Pourquoi vous n'avez pas essayé de me contacter? Pourquoi ne pas m'avoir dit que vous étiez en vie? Je n'y pouvais rien. J'ai passé 2 ans dans un coma artificiel.
le temps que Cerberus me reconstruise. Vous travaillez pour Cerberus ? Les rapports disaient donc vrai. Je n'arrive pas à y croire. Des rapports ? Ça pour une surprise ? Nos agents soupçonnent Cerberus d'être impliqué dans la disparition des colons. D'après nos sources, cette colonie serait la prochaine cible. Anderson a éludé la question, mais la rumeur courait que vous étiez en vie, que vous étiez passé à l'ennemi. Cerberus et moi avons un objectif commun, sauver nos colonies. Je ne suis pas leur esclave pour autant. Vous y croyez vraiment, ou c'est ce que Cerberus veut vous faire croire ? La rumeur courait que vous étiez en vie et je ne demandais qu'à y croire. Mais jamais je n'aurais cru ça de vous. Vous avez renié ce que nous avions juré de protéger. Kaidan, vous me connaissez, je n'agis que pour de bonnes raisons. Vous l'avez vu de vos yeux, les récolteurs s'en prennent aux colonies humaines et ils sont alliés aux moissonneurs. Je ne demande qu'à vous croire, Shepard, mais je ne fais pas confiance à Cerberus. Les moissonneurs ne sont qu'un prétexte pour vous manipuler. Et si c'est eux qui tirent les ficelles ? Peut-être qu'ils sont de mèche avec les moissonneurs ? Je peux pas encadrer Cerberus, moi non plus. Mais question fumier, il y a pire qu'eux. Vous laissez vos préjugés prendre le pas sur votre jugement. Peut-être. Ou peut-être que c'est votre dette envers Cerberus qui vous influence. Peut-être que c'est vous qui vous trompez. Vous avez changé. Quant à moi, je n'ai pas oublié à qui je dois ma loyauté. Je suis et je reste un soldat de l'Alliance. Je vais en référer à la Citadelle. Ce sera à eux de décider s'il faut vous croire ou non. C'est joué d'avance, vous le savez. L'Alliance essaiera d'incriminer Cerberus comme vous l'avez fait. Certaines choses ne changent pas. Cerberus n'est pas digne de confiance. Au revoir, Shepard. Faites attention à vous. Joker, envoyez la navette nous récupérer. J'en ai assez de cette colonie. On va pas tarder à arrêter le live, je crois que dès qu'on peut sauvegarder, on arrêtera. Et après, bon, je jouerai mon petit coin, un petit Zelda, hein, en pensant fortement à Coco. Shepard, c'était du beau travail. Les récolteurs y réfléchiront à deux fois avant d'attaquer une autre colonie. C'était plaisant de se frotter enfin à l'ennemi. Vous y avez pris goût, je vois. Je trouverai de quoi vous satisfaire. Comptez sur moi. Les récolteurs seront sur leur garde désormais. Mais nous trouverons bien un autre moyen de les piéger. Trouvez-moi une cible, j'en ferai mon affaire. La cible est toute trouvée, bien qu'inaccessible pour l'instant. Leur propre monde. J'alloue toutes nos ressources à la recherche d'un passage via le relais Oméga 4. Nous devons les frapper en plein cœur. Vos hommes devront renforcer leur détermination. Le passé ne compte plus. Cela vaut aussi pour vous. Puis-je croire que vos relations anciennes sont désormais derrière vous ? Ça ne vous regarde pas. Si elles affectent la mission, mieux vaut les reléguer au passé. Shepard, dès que nous aurons trouvé le moyen de franchir le relais Oméga 4 jusque dans le territoire des récolteurs, rien ne garantit que vous y survivrez. Votre seul espoir pour vous et votre équipage... c'est d'être totalement dévoué à notre objectif. Je ferai en sorte qu'ils soient prêts d'une façon ou d'une autre. Les récolteurs n'ont qu'à bien se tenir. Vous savez ce que vous faites, j'imagine. Je ne veux rien vous cacher des risques, c'est tout. Je vous ai transmis trois autres dossiers. Continuez de monter votre équipe pendant que je cherche un moyen d'emprunter le relais. Ne vous relâchez pas, Shepard. Les récolteurs seront aux aguets. Cette fois-ci, ça rigole plus. On va affronter les récolteurs pour de bon. Enfin, on va avoir un peu d'action. D'un autre côté, après ce que ces bâtards ont fait sur Horizon, ça donne à réfléchir. Ne me laissez pas tomber maintenant, Taylor. J'ai besoin de vous. Vous en faites pas, commandant. Je veux juste mettre mes affaires en ordre. Histoire d'avoir l'esprit tranquille. J'ai encore un dernier truc à faire avant de partir.
J'imagine que c'est notre cas à tous, non ? En gros, il me dit, il y a des missions de confiance qu'il faut commencer à activer. Shepard, que puis-je faire ? Vous avez un peu de temps pour parler ? Oui, j'apprécierais. Je vous ai déjà parlé de mes travaux, de l'époque où je servais dans le GSI, du génophage. Je manquais d'honnêteté, mensonge par omission, entre autres. J'ai besoin de me confier. La mission est trop importante pour justifier les secrets. Mon travail sur le xénophage ne s'en est pas tenu à l'analyse. Je sentais bien que vous me cachiez quelque chose. Désolé, information confidentielle, mais vous avez gagné le droit de tout savoir, de me connaître et de connaître mes actes. Je ne mentais pas totalement. Au début, je m'en tenais bien à la reconnaissance, mais j'ai récupéré des données inquiétantes. La démographie Krogan augmentait plus vite que prévu. Ils s'adaptaient au xénophage. Ils étaient en passe de le vaincre. Est-ce que les Krogan ont évolué, ou bien ce sont leurs scientifiques qui ont développé un remède ? Des scientifiques Krogan ? Ah ! Je n'ai jamais rencontré de Krogan qui mérite d'être appelé scientifique. Non, évolution naturelle. La physiologie Krogan est incroyablement résistante. Redondance organique, système de remplacement, régénération cellulaire... Le xénophage n'est qu'un danger biologique comme un autre. Les Krogan l'ont contré spontanément. Est-ce que les Krogan ont évolué, ou bien ce sont des scientifiques ? Non, je veux dire. Le xénophage n'est qu'un danger biologique comme un autre. Les Krogan l'ont contré... Le xénophage a été une terrible erreur. Il a failli détruire les Krogan et leur culture. Maintenant, ils ont l'occasion de se rétablir. Point de vue naïf. Les Krogan sont trop dangereux pour les laisser proliférer. La preuve avec la rébellion Krogan. J'ai mené personnellement une équipe. Généticien, chimiste, sociologue, mathématicien. Créer une nouvelle version du xénophage, en le libérant sur tout Chanka et les autres foyers de population Krogan, leur démographie s'est restabilisée.